Encore vous. Je ne peux pas dire que je sois surpris. Vous et les vôtres semblez déterminés à détruire tout ce que notre gouvernement a cherché à accomplir. Rien ne m'empêchera de vous tuer cette fois. Finissons-en. Vous vous laissez emporter, j'en ai peur. Mais puisque c'est le chemin que vous avez choisi, saluez votre père pour moi. Eh bien, voilà qui est réglé. En ce moment, la troupe devrait être en train de balayer ce qui reste de l'opposition à l'extérieur. Nettoyons cette salle. Docteur Lee, ici Sarah Lyons. Nous sommes dans la salle de contrôle. Qu'est-ce que ça donne ? J'ai suivi les équipements à distance et nous avons un sérieux problème. Le site a été endommagé pendant les combats. Certains semblent accidentels, d'autres peuvent relever d'un sabotage. La pression augmente dans les réservoirs. Eh bien, autant pour la fiesta. L'un de nous va devoir entrer là-dedans et activer ce truc. Et la personne qui le fera n'en ressortira pas. Ce n'est pas exactement comme ça que je comptais finir, vous savez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça? Vous parlez d'un esprit chevaleresque? D'accord, je vais le faire. Mais il me faut le code. Quoi? Vous avez perdu la tête? On va mourir tous les deux si personne n'active ce truc. Qui sait combien d'autres personnes vont mourir aussi? Donnez-moi cette saleté de code! Vous ne pouvez pas faire ça! Donnez-moi le code! Dites-moi, quel est le code? Vous devez me donner ce code. Si vous n'activez pas cette chose, vous devez au moins me laisser m'en charger. Comment pouvez-vous faire ça? Vous devez me donner ce code. Comment vous... Vous devez me donner ce code. Comment... Nous n'avons pas le temps d'en discuter. Quelqu'un doit activer le purificateur maintenant. De grâce! Nous n'avons pas le temps d'en discuter. Dites-moi, quel est le code? Vous devez me donner ce code. De grâce, le temps manque. Concentrez vos tirs. Mieux vaut ne pas recommencer. Dernière avertie. Ça ne doit pas finir comme ça. Pas. Et c'est ainsi que le vagabond solitaire s'aventura hors de l'abri 101. Pour connaître le destin de son père, qui autrefois sacrifia le futur de l'humanité pour préserver son enfant unique. Les terres désolées de la capitale s'avérèrent un lieu cruel et inhospitalier, et le vagabond solitaire succomba aux vices qui causèrent la perte de tant d'autres de ses semblables. À travers les épreuves innombrables, l'égoïsme, l'avarice et la cruauté guidèrent son âme perdue vers le succès.
Mais ce ne fut qu'à la fin de son périple que le vagabond solitaire comprit le sens véritable de la plus grande des vertus, le sacrifice de soi. L'enfant refusa de suivre l'exemple du père. Ainsi se termine l'histoire du vagabond solitaire qui franchit le seuil de la Barrie 101 pour entrer dans la légende.